Marcel Macromé porte plainte pour enlèvement et séquestration contre le patron du Conseil national de la sécurité de la République du Congo. Une plainte qui fait suite à une sordide affaire de kidnapping de l'opposant congolais à l'aéroport international de Ngili. Marcel Macromé était invité officiellement par les autorités locales de Kinshasa pour un séjour de travail. Il fut kidnappé dans des conditions troubles par les agents de renseignement de la RDC, République démocratique du Congo, sur instruction de Jean-Dominique Okema. Après une vive mobilisation médiatique à l'international, le président Félix Tshisekedi avait ordonné sa libération, suivie des excuses publiques à l'endroit de l'ancien ambassadeur du Congo sous la présidence de Pascal Lissouba. C'est donc à cet effet que l'opposant Marcel Macromé a décidé de porter plainte devant les juridictions françaises contre le député grand maître franc-maçon de la Grande Loge de Brazzaville. Une procédure judiciaire qui s'ajoute à une longue liste des plaintes déposées contre certaines figures de la dictature sanguinaire de Denis Sassou Nguesso. Pour l'instant, aucune réaction n'a été constatée de la part de Brazzaville. Nous suivrons cette affaire avec attention et nous vous tiendrons informés sur notre site internet jemainforme.tv.com.